Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne NKBNS Plus. C'est Jean-Pierre, je suis web entrepreneur, youtubeur, blogueur. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner parce que je publie du contenu de qualité, j'apprends aux gens comment gagner de l'argent et je vous aide aussi à développer vos business en ligne. Voilà. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis décidé de faire un remix et sur certaines idées de business en ligne que j'ai déjà publiées dans d'autres vidéos. Je vais faire le mixage et vous parler de cela dans cette vidéo que j'intitule Comment gagner de l'argent avec le paiement mobile. Voilà, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. On va vous montrer. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur Internet pour gagner de l'argent et convertir cet argent en mobile money? Voilà, vous savez que ici en Afrique, nous ne sommes pas habitués avec les systèmes bancaires. Pour les Africains, quand vous lui parlez d'une carte bancaire, ça apparaît comme un luxe. Nous sommes habitués avec les paiements mobile money, notamment le Orange Money, le Airtel Money, le MTN Money, et ainsi de suite. Voilà, donc ce sont là les moyens de paiement que nous disposons en Afrique. Alors, si nous voulons faire le business en ligne, nous devons nous habituer à manipuler ces moyens de paiement qui nous permettent de gagner de l'argent sur Internet. Alors, comment le faire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, on se retrouve juste après pour la suite. Voilà, comme je l'ai dit, nous Africains, nous avons aussi besoin d'évoluer comme les autres le font sous d'autres signes. Alors, les activités en ligne ne sont pas l'apanage des hommes blancs. Nous aussi Africains, nous avons droit à faire du business en ligne. Ce qui nous empêche de pouvoir faire le business en ligne, surtout ici en Afrique, ce sont les moyens de paiement. Alors, j'ai déjà publié plusieurs vidéos autour de ces sujets. Donc, j'ai donné des astuces, j'ai donné des techniques qui permettent de convertir l'argent qu'on gagne avec le business en ligne en monnaie mobile. Voilà, j'ai des vidéos là-dessus. Vous pouvez aller regarder dans la description de cette vidéo pour vous en imprégner. Voilà. Et quelles sont les activités que vous pouvez faire en ligne et gagner de l'argent? Et ensuite, comment vous pouvez convertir cet argent pour les recevoir sur vos comptes mobile money. Nous passons directement à la première activité que vous pouvez faire en ligne, bien sûr, pour gagner de l'argent, c'est les blogging. Voilà, le blogging, donc ça vient du verbe bloguer, c'est détenir un site qu'on appelle blog. Alors, un blog, c'est un site considéré comme un journal intime sur lesquels vous allez commencer à publier des articles. Et ces articles doivent être des articles percutants qui doivent intéresser vos visiteurs. Alors, au fur et à mesure que vous allez publier des articles, votre blog va prendre de l'ampleur. Vous allez pouvoir les monétiser avec des moyens qui sont disponibles et gagner de l'argent. Pour créer un blog, vraiment, ça demande des techniques. Alors, ne vous étonnez pas, vous avez toutes les ressources sur Internet que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer votre site Internet. Moi, je l'ai fait, j'ai créé le blog, je n'avais aucune compétence. Je me suis formé sur Internet en consultant les blogs des personnes spécialisées qui m'ont aidé à créer les blogs. Et après avoir créé les blogs, j'ai pris juste le temps de pouvoir les personnaliser et puis commencer à publier des articles. Alors vous allez commencer à publier des articles petit à petit jusqu'à ce que votre blog reçoive assez de visiteurs et de ces visiteurs-là, vous aurez maintenant l'opportunité de pouvoir monétiser votre travail. Et comment monétiser un blog? On peut monétiser le blog par la publicité AdSense.
cette régie publicitaire va placer des publicités dans les articles sur votre blog. Et chaque fois qu'un visiteur clique là-dessus pour pouvoir, par exemple, passer à l'action, vous gagnez de l'argent qui correspond à un taux déterminé par l'annonceur. On appelle ça les CPC, donc les coûts par clic. Donc autant d'articles que vous avez sur votre blog, fois autant de clics que les visiteurs peuvent effectuer. Donc dans votre compte, vous aurez une incrémentation des chiffres. Voilà, c'est comme ça que moi je réussis à gagner un peu parce que je n'ai pas foncé vraiment. Je suis encore en phase de construction de mon blog. Je publie des articles et j'ai un faible trafic. Mais si vous vous engagez à publier régulièrement des articles et que votre blog croît en puissance, vous allez devoir gagner de l'argent. Voilà, je vais vous montrer mon tableau de bord pour vous faire voir les statistiques de mes gains. Voilà, ça sont mes statistiques de gains sur ces blogs. Voilà, comme je l'ai dit, je n'ai pas assez de résultats. Voilà, et pour la journée d'aujourd'hui, je suis à 0,06 euros. Alors, les derniers mois, les 30 derniers jours, j'ai gagné 9,96 euros. Voilà, ça sont les statistiques de mes gains sur ces blogs. Ça prend du temps, bien sûr, mais au bout, vous avez un prix à gagner. Il y a des gens qui gagnent des milliers et des milliers de dollars avec leur blog en ligne. Si vous voulez avoir de plus amples informations, je vous invite à aller regarder dans la description de cette vidéo. J'ai placé des liens qui vous amènent sur des articles que j'ai rédigés pour vous faire comprendre comment cela fonctionne. Voilà, nous passons à la deuxième activité que vous pouvez faire sur Internet pour gagner de l'argent à travers vos comptes Mobile Money. Et c'est la création d'une chaîne YouTube. Voilà, comme l'exemple, j'ai ici, vous avez ici vous avez devant vous la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Voilà, YouTube, vous savez que c'est un réseau social, une plateforme qui permet aux gens de pouvoir publier des vidéos et aux spectateurs de pouvoir visionner ces vidéos. Voilà, donc c'est une activité qui permet à certains web entrepreneurs de gagner de l'argent. Alors, le fonctionnement, c'est toujours la même chose avec les blogs. Vous allez pouvoir créer du contenu, c'est-à-dire des vidéos que vous allez mettre à la disposition de vos spectateurs. Alors, ces vidéos doivent être des vidéos de bonne qualité. Au fur et à mesure que vous allez commencer à publier des vidéos, votre chaîne va croître et vous aurez beaucoup de visiteurs. Alors, il y a un critère que YouTube a mis en place. Avant de pouvoir monétiser sa chaîne YouTube, vous devez totaliser un maximum de 1000 abonnés sur votre chaîne et 4000 heures de visionnage. Donc, une fois atteint ces chiffres, YouTube va débloquer votre monétisation et vous allez commencer à gagner de l'argent. Je place toutes les vidéos consacrées à la création, la personnalisation de la chaîne YouTube ainsi que les gains d'argent avec la chaîne YouTube dans la description de cette vidéo. Vous allez aller voir pour avoir des plus amples informations. Alors, nous passons à la troisième activité. La troisième activité que vous pouvez faire, c'est le freelancing. Alors, le freelancing, c'est un mot anglais, donc ça signifie un travail indépendant. Vous avez une connaissance dans un domaine quelconque et vous voulez mettre ça à la disposition d'une communauté sur Internet. Il y a des gens qui ont besoin de votre expertise. Vous êtes un développeur, vous y connaissez dans les designs, vous êtes créateur des sites. Alors, vous avez votre place sur Internet. Vous pouvez offrir votre expertise à une communauté bien déterminée, moyennant de l'argent. Alors, comment trouver les clients? Vous allez aller sur les sites qui est devant vous, les Fiverr. Alors, sur ces sites, vous allez créer votre compte et vous allez créer votre offre et la placer pour qu'elle soit vue par le visiteur.
Et une fois qu'un visiteur tombe sur votre offre et fait une demande d'offre, il va vous contacter et vous allez signer un partenariat et vous allez prester pour lui. Il va vous verser de l'argent. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne sur ces sites. Voilà, ça c'était la troisième activité. La quatrième activité, nous allons parler de l'affiliation. Alors, l'affiliation, c'est quoi? L'affiliation, c'est une activité qui consiste à vendre les produits des autres. Ici, sur Internet, l'affiliation consiste à aller s'inscrire sur des sites comme OneTP, System.io, Club Amazon Partenaire, ainsi de suite, qui sont des plateformes d'affiliation. Vous allez vous inscrire sur ces sites et vous allez retirer les liens d'affiliation. Alors, ces liens-là se rapportent à des produits. Vous allez prendre ces liens et vous allez placer sur vos canaux de trafic, sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, ou faire de la publicité sur Facebook, Instagram, ainsi de suite. Alors, une fois qu'un visiteur tombe sur votre lien et fait l'achat d'un produit, alors le propriétaire du produit va réserver une commission qui vous sera versée sur votre compte. La cinquième activité et la dernière, nous parlons du dropshipping. Alors, le dropshipping, c'est une simple activité que vous pouvez faire en ligne. Donc, elle consiste à vendre des produits sans stock. Alors, vous n'avez pas besoin d'un stock, vous n'avez pas besoin des magasins ou bien des locaux dans lesquels vous allez placer des produits. Votre travail reste simplement de créer un site avec des plateformes comme Shopify qui vous aident à créer une boutique en ligne et vous allez placer les étiquettes des produits. Alors, les produits là, comment vous les obtenez? Vous allez signer un partenariat avec une entreprise qui a des produits, qui va vous donner des étiquettes à placer sur votre boutique en ligne. Alors, une fois qu'un visiteur passe par votre boutique en ligne et fait une commande, vous allez demander à l'entreprise partenaire de faire une livraison directement à l'adresse qui a été indiquée par les clients. Voilà et tout ce qu'on peut retenir comme activité qui nous permettra de gagner de l'argent. Alors, la plupart de ces sites que je viens de citer payent avec des moyens de paiement comme PayPal, Stripe, ainsi de suite. Alors, pour nous les Africains, il est difficile vraiment de recevoir, de toucher directement cet argent. Pourquoi? Parce que si vous prenez les services de PayPal, il n'est pas vraiment disponible en sa totalité en Afrique. Alors, à partir de l'Afrique, si vous créez un compte PayPal à partir de l'Afrique, il ne vous servira qu'à faire des achats en ligne. Donc, vous ne pouvez pas recevoir de l'argent provenant de PayPal. Voilà. Alors, il existe des astuces, des techniques qui permettent de pouvoir gagner de l'argent. Donc, toucher l'argent qui provient de PayPal. Alors, j'ai publié une vidéo qui parle comment créer un compte PayPal Business. Alors, un compte PayPal Business, c'est un compte que vous pouvez créer n'importe où dans le monde et qui vous permet de faire des transactions à des sens, c'est-à-dire envoyer ou recevoir de l'argent. Voilà, les liens, c'est dans la description de cette vidéo. J'ai aussi parlé du service Xoom. Le service Xoom, c'est un service rattaché à PayPal qui vous permet d'envoyer de l'argent dans le monde entier. Alors, vous pouvez envoyer votre argent sur votre compte Mobile Money et ainsi de suite. Vous avez aussi des solutions en ligne. Les solutions en ligne, c'est-à-dire vous allez transiter par des plateformes en ligne qui vous permettent de convertir votre argent, que ce soit sur Stripe, PayPal, sur des wallets, et vous allez les transformer en argent Mobile Money. C'est comme par exemple les Kikash, les Fiatou et ainsi de suite. Et les liens, je les place dans la description de cette vidéo. Voilà tout ce qu'on peut retenir pour les paiements mobiles en Afrique et ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent avec les mobile money. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a intéressé, je vous invite de la liker et de la partager afin de nous permettre d'être mieux référencés. Et je vous dis bye.